Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planté de bâton. Le planté de bâton ne va pas du tout. Le planté de bâton, ouais. Le planté, ouais, le bâton, ouais. La montagne, ça vous gagne. Voilà, donc j'ai lancé la démo de Steep. J'imagine qu'on dit Steep et pas Step puisqu'il y a deux E. Je ne saurais pas vous dire ce que ça veut dire. Donc j'ai lancé la démo qui pèse quand même 24 gigas, donc une vaste plaisanterie, depuis peut-être un petit quart d'heure. Donc on a fait un petit peu le tour de toutes les disciplines. Je suis monté en niveau 2, donc je ne saurais vous dire jusqu'à quel niveau la démo va continuer. Et donc là, on découvre un petit peu le domaine avec différentes courses à faire. Donc on a eu droit à des courses en snow, en parachute, en wingsuit, un petit parcours. C'est un événement freeride qui va te faire traverser un village. Et si tu veux être en tête, il va falloir que tu prennes quelques risques. Éviter des obstacles, faire des sauts depuis des falaises, rider les lignes de crête et puis sortir autant de tricks que tu peux. D'accord ? Ouais, d'accord. Donc les sauts sont pas géniaux pour l'instant. Il serait que dès qu'on ride un petit peu, on a vraiment tendance à vouloir faire des sauts de fou et des tricks comme dans SSX, mais c'est pas du tout le cas. Après, graphiquement pour l'instant c'est assez beau. L'intérêt, j'ai bien peur que sur le long terme soit pas gégène. Donc on va essayer de se faire cette course sans être trop ridicule. Bon, l'effet de vitesse c'est pas trop mal foutu. Essayer de faire des petites figures quand même, ça serait pas mal. Donc vous êtes libre après d'explorer le domaine, hein, pour découvrir des nouveaux spots, mais là pour l'instant j'ai pas mal suivi j'ai pas mal suivi leur directive pour essayer le maximum de discipline. Et donc ouais, une fois que là ces types s'y connaissent pour shooter les sports extrêmes. Ils nous sortent toujours des plans qui font rêver les riders. On va regarder leurs vidéos. Non, mais je m'en fous en fait. Donc ouais, le parachute est assez lamentable pour l'instant. Les sauts et figures en snow sont pas gégènes. Donc on est quand même bien bien loin d'un SSX. Hein. À l'inverse de ce que tout le monde est en train de prétendre. Et de dire, ouais, si jamais vous étiez fan de SSX, c'est le jeu qu'il vous faut. Bah pas du tout, c'est pas du tout le jeu qu'il vous faut. Alors après, je ne sais pas si plus on évolue, plus les levels montent, si on a plus de figures ou pas, mais c'est en rien instinctif. Et fun par rapport aux figures de SSX, évidemment, donc ce n'est pas du tout SSX. Graphiquement, bah écoutez, c'est plutôt honnête, sans être absolument fou. Donc on va essayer de se faire plusieurs disciplines pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce que ce jeu nous propose. Alors attendez, est-ce que je peux aller... On va dézoomer un petit peu. Voilà, j'ai commencé par là, donc on va essayer de se faire un truc en wingsuit, histoire que vous voyez ce que ça peut donner. Ça c'est quoi, on ne sait pas. Alors attendez, c'était où les wingsuit ? Camp de base, ça je m'en fous. Donc on va faire une nouvelle un nouveau truc, on va voir ce que c'est. Alors d'accord, première ride ensemble. Magnifique, c'est superbe. Bon, écoutez, je pense que je vais voilà, crever comme une merde, c'est parfait. Donc ça se dirige avec le stick gauche et on contrôle la vitesse avec le stick droit. Donc pour l'instant c'est plutôt c'est assez simple. Pour sauter, R2, hop, on relâche et en fonction de la hauteur du saut avec le stick droit, stick gauche, on peut faire quelques figures. C'est très très limité hein, pour l'instant.
Et voilà, allez, on va retourner en mode montagne parce que c'est absolument naze. Refuge, il faut que j'aille au refuge. On va voir ce que c'est que ce putain de refuge. Voilà, bon, on va faire. Ah, il y avait un petit drone. Ah oui, d'accord, comme je l'ai fait tout à l'heure, en fait, j'ai mon fantôme. Donc là, c'est la première course qui est proposée par la démo. Ouf, putain, ça pop à mort quand même. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. J'ai l'impression que lorsque le fantôme est là, la démo a du mal et j'ai raté mon checkpoint. Donc c'est sublime. Ouais, ça me saoule. Je voudrais juste trouver un truc de wingsuit quand même. On va aller au camp de base. Du montagne, bon bah d'accord, je veux bien, mais c'est où? Donc c'est pas très clair, hein. Pour l'instant on est extrêmement guidé, mais Butterfly, ça l'est fait. Ça c'est le skatepark, c'est absolument lamentable. Le parachute, c'était où? Quelques petites saccades sur la map. Ça c'était quoi? Vol de proximité. Bon allez, on va se faire ça. Voilà, ça c'est le wingsuit. Donc on pousse juste avec le stick gauche et on le lève vers le haut pour ralentir la vitesse. Maniabilité pas mal, mais bon, c'est pas encore. C'est pas l'éclate quoi. C'est pas du. Putain. Voilà. Parfait. La vitesse est pas folle. Non, j'imagine que plus tard on aura des spots un petit peu plus impressionnants. Mais on essaye surtout de ne pas aller trop vite pour pas se prendre les câbles ou les arbres. Donc j'ai déjà été très impatient de m'essayer à cette bêta. Puisque les trailers de l'E3 donnaient quand même particulièrement envie. C'était plutôt sympa d'avoir enfin un jeu Ubisoft annoncé pour la fin d'année et enfin l'E3. En fin de confiance Ubisoft, qui soit pas un jeu où on bute à tout va avec des flingues et des morts partout. Donc c'est plutôt assez sympathique cette petite bulle de fraîcheur. Et en fait je me rends compte que même si ça ne se veut pas être un SSX, on est quand même dans des sports extrêmes, l'adrénaline n'est pas vraiment là. Donc je sais bien que c'est une bêta, mais en même temps on est à moins d'un mois de la sortie définitive, la sortie du jeu. Donc j'ai bien peur que ce ne soit pas. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de grand changement par rapport à la bêta quand même. Superbe, superbe. Donc vous voyez, l'intérêt est assez minime. Alors on va essayer de se trouver un petit saut. On va se faire ça, on va se refaire ça. Alors on va se refaire le parcours. Vous vous rendiez compte un petit peu de la puissance et du spectaculaire. Oh, vous avez vu un petit peu ce saut fantastique. C'est quand même pas magnifique ça. Oh là là, incroyable. Donc voilà, je vous dis, on n'est quand même pas du tout dans du SSX. C'est pas du tout intuitif, les sauts se déclenchent pas vraiment comme on le souhaiterait. Fantastique, magnifique, et je vais me faire avoir évidemment coiffé au poteau. Bon voilà, donc c'est beau, hein, c'est pas mal. Après je vous dis, c'est une bêta, je pense qu'il faut creuser un peu le jeu original, mais est-ce que j'ai envie de dépenser 70€ pour ça? Je suis pas sûr du tout. Bon, la démo reste agréable, mais bon voilà, c'est parti, c'est bizarre quoi, enfin c'est voilà, c'est un presque du déjà vu quoi, c'est beau sans être magnifique, bon on explore les trucs, on se pète la gueule sur les barrières. Bon, j'avoue que je suis un petit peu je ne sais pas trop quoi dire pour l'instant. Voilà, 24 gigas pour ça. Je crois que c'est le parachute ça, je vais vous montrer ça, c'est absolument dramatique d'ennui. Donc pareil. Avec le stick gauche, vous montez, vous descendez. Stick droit pour faire des virages plus ou moins serrés. Et c'est parti pour cette course endiablée.
ça me rappelle un jeu sur Dreamcast, je crois que c'est Extreme Games, il me semble, auquel j'avais énormément joué, et là c'était vraiment fun, parce que beaucoup on courait comme des tarés, on avait du quad, du saut élastique, du parachute peut-être, et c'était super dynamique, super nerveux, et à deux c'était vraiment génial de jouer à ça. Là, la montagne ça vous gagne, ouais, c'est plutôt un peu l'ennui quoi. La montagne, ça vous gagne. Je... Ouais, un petit peu déçu par tout ça. Alors après voilà, c'est qu'une démo, hein, mais vous voyez, c'est absolument excitant. On s'éclate là en parachute, c'est absolument dingue quoi. La maniabilité est quand même pas gégène. Putain voilà, j'ai raté le checkpoint, je l'ai eu. Non, validé, d'accord. Hop. Allez. Pourquoi tu t'arrêtes d'un coup? Oh là 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 là. Allez, ligne d'arrivée. On y va, vite. On redresse. Voilà. Super. Ah, il y a des cascades à maintenir, j'avais pas vu. Bon, bah voilà. On va se balader un petit peu à pied. On peut sprinter, c'est superbe. Et est-ce que... Voilà, et là par contre, ce qui est pas mal... Tiens, j'avais pas scié le ski. C'est qu'on peut changer... à tout moment de ça j'avais pas vu encore de discipline, donc ça c'est pas mal. On va essayer de se bourrer un petit peu à travers les sapins sans crever, ce serait pas mal. Bon, c'est pas désagréable hein, mais est-ce que la démo ne suffit pas? Voilà, pour vous faites une petite descente, ça prend 5 minutes, voilà, vous êtes fait une petite descente de montagne, ça suffit. Après, de l'acheter un jeu complet et entièrement dédié à ça, avec juste 4 sports, 4 disciplines. Vous avez le parachute, c'est pas passionnant. Le wingsuit, c'est bien 5 minutes, mais quand on a essayé le wingsuit de Far Cry 4, bah, qui était un petit peu plus excitant, voilà, on reste un peu sur sa fin. Bon, après, voilà, il n'y a pas de jeu de ski ni de snowboard sur les consoles actuelles, donc pour ceux qui sont vraiment en manque, pourquoi pas. J'avoue que moi, pour l'instant, je pense que je vais désinstaller rapidement la démo et peut-être d'occasion dans quelques mois, mais encore, sauf si les tests sont vraiment dithyrambiques et en sont ce jeu. Mais j'ai bien peur que pour l'instant ce soit pas le cas. Voilà, c'est pas très passionnant. Superbe, génial. Donc je peux changer avec les jumelles, c'est pour repérer des nouveaux spots. On va se mettre en snow, hop, fantastique. Voilà, on va se foutre juste en vue montagne. Le problème c'est que là je ne vois pas du tout où il veut que j'aille. C'est un peu dommage. Donc le domaine est plutôt grand, hein. Mais alors là il y a quoi? C'est mon emplacement ici. Mon dernier ride. Regardez le replay, je m'en fous. Sauf si c'est ce qu'il veut qu'on fasse, je ne sais pas. C'est pas très très clair, vous voyez, donc peut-être que je... Camp de base, je peux aller là. On va aller là si vous voulez. On va se faire une petite descente. Bon voilà, vous voyez, même la démo, au bout d'un moment, on tourne un peu en rond. Voilà, donc bon. À vous de voir si ce genre de jeu vous plaît ou pas, mais bon, si vous avez encore une vieille console, je ne peux que vous conseiller de vous remettre un vieux SSX, je pense que vous vous éclaterez plus. Ok, si tu veux. Allez, bourre Coco, est-ce qu'on peut essayer de se sauter ça ou pas? Oh, c'est superbe, magnifique. Là, je suis assez déçu, j'avoue, parce que j'attendais quand même pas mal de ce jeu-là. Mais je pense que ce ne sera pas pour tout de suite. Oh là 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 là, la catastrophe. Mais saute, espèce de connard. Sélectionne un ride, appuie sur un pour regarder le replay de ce ride, choisir une option. Ah, et donc faut vraiment que je regarde un replay en fait, quoi. Bah, écoutez, on va regarder un replay, voir ce qu'il nous propose d'autre comme... pseudo-mission. Est-ce que là je peux regarder le replay? Afficher les rides. C'est pas très très clair tout ça quand même. Caméra et les replays pour améliorer le montage si tu le souhaites.
Je veux pas faire un montage, qu'est-ce que tu me saoules? Ouais, donc petite option pour... Tiens, j'imagine qu'après on peut partager ces... Vas-y, vas-y, vas-y mec. C'est bon? Allez, c'est super, génial. Et on se casse de là. J'ai un dernier spot à te montrer, je l'ai marqué sur ta carte. Vas-y, rends-toi sur place. Ok. Alors, où est-ce que c'est? Oui, donc j'imagine qu'on peut partager ensuite ces replays de courses, de machin, sur YouTube ou en ligne ou sur Facebook, j'imagine. C'est ici ce que tu veux montrer? On va commencer là. C'est pas seulement un challenge donné par les autres riders qui t'attend. Les montagnes sont pleines de descentes non répertoriées, prêtes pour le ride. Alors, c'est toi des drop zones pour les trouver. J'en ai repéré une tout à l'heure qui m'a l'air parfaite. Allons voir ça. Ok, alors attends, je voudrais juste... Est-ce que je peux changer? Je voudrais bien me foutre en ski. Voilà. Ah, il y a drone zone, du moins machin, quand on a le point de destination. Ok, allez, on va bourrer. Super slalom entre les arbres. Quelle dextérité incroyable. C'est fantastique. Il y a des points cachés comme celui-ci dans toute la chaîne de montagne. Explore un peu et tu les trouveras. Et alors là, vas-y, fonce, éclate-toi. Ouais, bah, il serait temps. Allez, fonce et éclatons-nous. T'as suivi mes conseils à la lettre et t'as super bien géré la descente. Je crois qu'il faut absolument la mettre en ligne. Ça va mettre les autres riders au courant de tes exploits. Non, non, je m'en branle. Oh, maintenir, sectionner pour un rail, appuyer sur pour créer un challenge. Je m'en fous, putain. Ok, j'ai pris ça, point de ride. Appuie sur carré pour créer un challenge, crée un challenge. Qu'est-ce que tu me fais chier? D'accord. Regardez les replays. On ne voit rien. Blanc, typo blanc sur fond blanc, c'est impeccable les mecs. Hein. Crée un challenge. Ok, si tu veux. Ah, c'est tout, c'est fini. Ça va être à toi de jouer. Ah. Note bien que c'est ta carrière. Tu peux la gérer comme tu veux. Mais l'objectif reste de faire monter ta réputation maximum. Alors explore le monde pour trouver des drop zones et ouvrir de nouvelles descentes. Ouh, putain, ça par contre, ça peut être sympa. Ça. Choisis les rails les plus stylés et concentre-toi sur les gros exploits, en l'air ou sur le sol. Participe aux défis organisés par les autres riders. Et cherche les histoires de la montagne, il y en a plein. Si tu fais tout ça, je peux te promettre que tu vas te retrouver sur des spots hallucinants sur les sommets. J'ai envoyé l'équipe repérer la région et installer de nouveaux camps de base. Ils ont déjà repéré un paquet de descentes qui vont faire grimper ta réputation. Vas-y, mets-toi au boulot. Ok, donc ça je pense que je l'ai pas faite celle-ci. Installation en cours, oui, parce que sur les 24 gigas, je n'ai qu'installé que 20 gigas à peu près, donc je ne sais pas à quoi sert. L'installation se fait en deux parties en fait, bizarrement. Donc je ne peux pas vous dire quoi correspond les 7 derniers gigas. Et alors en fait, je voudrais voir si en plein saut, on peut par exemple... Ah, je voulais voir si je pouvais prendre la wingsuit en plein saut ou pas. Moi en même temps. Non, j'ai pas l'impression qu'on puisse. Bon, bizarre, peut-être plus tard on pourra changer de catégorie en plein saut. Effectivement, peut-être que dès qu'on arrive sur du vrai hors-piste, avec des pentes vraiment très pentues, si je puis dire, ça peut peut-être. Devient un peu plus intéressant. On va essayer d'explorer un petit peu, puis on va se laisser là, juste histoire de voir ce que pouvait donner ce petit steep. Et la tourne, oh là 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 là. Ah, un petit peu plus abrupt, c'est pas mal. Donc voilà, donc je suis assez partagé pour l'instant, c'est ça et là, mais c'est pas très très passionnant. Je vous dis, j'ai toujours adoré les SSX, je me suis vraiment éclaté dessus. J'ai souvent aimé les jeux de ski depuis des années, mais bon là. Je sais pas.
Je ne sais pas. Après, c'est toujours très difficile de se faire un avis définitif sur une démo. Graphiquement, c'est pas mal, mais bon, voilà, c'est pas. C'est pas sublimissime non plus. Bon, après, voilà, ça reste de la neige. Bon, les effets de lumière sont plutôt agréables. Après, voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir envie de. D'explorer, de se promener. Pour ça, c'est plutôt pas mal, parce que le. Le monde ouvert, enfin la montagne, elle est assez vaste. J'imagine qu'il y aura différents terrains de jeu, différentes montagnes, différents pays à explorer, je ne sais pas du tout. Allez, vas-y, bourre, coco. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on puisse se jeter dans le vide et puis se mettre en wingsuit directement. Donc voilà, est-ce qu'on pourra faire ça plus tard? Je ne saurais vous le dire. Voilà, les figures s'enchaînent facilement et de manière sublime. Est-ce que tu peux juste sauter et me faire une figure quand même? Non, on va skier à l'envers. Yeah! Ça, c'est balèze ça. Allez, mais saute et remets-toi à l'endroit. C'est même ça, tu peux pas le faire. Voilà, c'est pas mal ça. Et là. Pff, voilà. Le jeu n'est pas prêt des données de jeu sont encore en installation, merci de patienter. Oui, bah j'avais remarqué. Je te rassure, je vais pas te laisser le temps de t'installer complètement. Puisque je pense que je vais dégager cette démo de 24Go assez rapidos. Fantastique. Quelle maîtrise. Bon voilà, après on s'amuse. Hein. Après j'imagine qu'il y aura des parcours de figures, des choses comme ça. Je ne sais pas du tout. Comme je vous le dis, c'est toujours très difficile de se faire un avis. Sur une simple démo. Donc bon, voilà, c'était pour voir un petit peu ensemble découvrir ce petit steep. Donc Donc il se passe quoi là? On ne sait pas. Ah, je suis peut-être allé trop loin. Je suis là, c'est ça? Mon dernier ride. C'est ça, j'ai dû aller trop loin en fait. Ah, c'est superbe. Bon, bah écoutez, voilà. Donc oui, la discipline parachute est absolument chiante comme la mort, le wingsuit n'a pas grand intérêt. On va se refaire un petit ride, un petit parcours, et puis on va se laisser là-dessus. À voir, donc je vous dis, peut-être attendre les tests définitifs pour vraiment se faire un avis complet. Est-ce que ce jeu est passionnant ou pas? Je ne sais pas. Yeah! Allez, on va se faire une dernière figure. Est-ce que ça passe pas? Celle-ci, elle passe pas, par contre, je ne comprends pas pourquoi. Non, je veux pas. Bon, il y en a assez limité en figure. Bref, voilà, écoutez, je sais pas si ça vous aura donné envie d'essayer ou pas la démo. Je vous dis juste qu'il y en a quand même pour 24Go, donc si votre connexion est un peu merdique comme la mienne, vous en avez pour un bon paquet d'heures. Donc est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ça sert à vous de voir. Après, question maniabilité, ça va. Pas trop de problèmes là-dessus. L'impression de vitesse est pas mal sans être absolument incroyable. Donc bon, bah écoutez, je vous dis, si vous avez de bonnes connexions, pourquoi pas, tentez le truc, essayez de la télécharger, puis vous vous rendrez compte si jamais ce jeu vous tente ou pas. Après, voilà, c'est toujours difficile. Putain, ça, tu le sautes pas, ça. D'être définitif, se faire un avis définitif juste sur une simple démo. Mais en tout cas, bah voilà, je ne suis pas plus excité que ça. J'ai l'impression d'avoir fait ce genre de jeu... depuis toujours, donc voilà, il aurait fallu nous faire un bon SSX, pas comme sur le dernier sur 360 qui était absolu, enfin que j'ai pas du tout aimé, et peut-être que effectivement c'était ça aurait été un petit peu plus excitant. Voilà, bah écoutez, on va se laisser sur cette magnifique descente, et puis bah je vous dis à plus tard. Si jamais vous avez tenté la démo, bah n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Moi je vais ranger les skis. Je vais rester dans les montagnes enneigées, mais de bord de ciel. Allez, salut tout le monde. À très bientôt. Ciao, ciao.